Comment on fait des potions de soins, les gars? Bon, on le déplacera après, là. Les potions de soins, j'en ai là, je viens d'en faire d'huile là, si tu veux. Hein. Ah là, je suis allé chercher la glowstone, justement, là. Putain, ça t'a fait 5 heures de dégâts? Hein, Gil, que penses-tu de tes 100k? Oh, tu sais. C'est quelque chose d'assez. Je sais pas, c'est trop sensuel. C'est comme la fibre, il est trop content et dans 2 jours, il a oublié. C'est le bon moment, vu que t'en as ASMR, de faire un truc genre... C'est trop bien. Normalement, c'est ASMR Sardoche, après tu gueules pour réveiller tout le monde. Bon, vous la faites votre maison, Ika et ASMR Gil, là? Attends, je peux pas ramener... On peut pas lui foutre une laisse, à lui? À Gil? Non. Au golem de fer. Dors. Ika, faut que tu te déco. Viens, il fait une chambre. Non. C'est bon, je dors. Tu dors, alors. Oh, trop bien, non. Et je peux pas, il y a des monsters nerbi. Pas mon problème. Bah, tu me dis quand il y a plus de monsters nerbi, je dis quoi? Ne fais pas péter la maison, par pitié. Tu entends de boum. Regardez les yeux, hein. Yes. Bon, Pierre. C'est bon, il y a plus de monsters nerbi. C'est bon, faut déco. Il a jamais dans la base. Faut déco? Ouais, déco. Aïe, mec, comment on fait pour les empêcher de rentrer? Bon, on finit la maison. Vas-y, go la finir. Moi, j'y pépé. Ah, viens de moi. Je te regarde. Et je te dis c'est bien mais ou c'est pas bien. Mais j'ai pas construire. Mais tu vas dire c'est pas bien, je sais pas faire. Mais si, j'ai confiance en toi. Tu sais, faudrait mettre... Attends, on a de la cobble ou pas? Ouais, viens, bah c'est rangé dans les coffres, t'as vu. GG. Et normalement, quand tu te prends des blocs sur toi, tu peux sauter pour les esquiver. Ça marche toujours, ça. Jusqu'à un certain point. Il y avait peut-être trop de blocs de sable, du coup. Du coup, t'as un gage? Du coup, ouais. Rejoins-moi en ASMR. Mais... Tu fais quoi? Ah, je sais ce que t'es en train de faire. Ton micro coupe parfois, ouais, bah je vais régler ça. Je sais pas ce que je fais. Non, mais ouais, c'est juste que je pose ce que j'ai looté dans la minecart. Hein. Non, mais je vois ce qu'il y a plus loin. Y'a quoi plus loin? Ah non, j'avais même pas vu ça, mec. Yeah. Je sais pas où je suis. Go. Non, il a pété. Attends, je vais le mettre avec son copain. What? C'est pas le putain de bon nom. J'ai mis une majuscule, faut pas mettre de majuscule. T'as vu, c'est la merde. Tu peux venir? Il est focus sur moi. Comment on fait une arbalète, les amis? Tu peux le pousser. Attends, mais mec, mais t'avais des trucs activateurs. Non, mais c'est pas grave, pousse-le, il pètera pas, il est focus sur moi. Vas-y, il est focus sur moi. Je vais faire des achievements, les gars. Amène-le tout là-bas. Je reprends un dis-moi que t'as un M-tag. Ah ouais? Y a un j'en ai encore un. Un ASMR guide. T'as de l'XP pour le renommer? Ouais. Non, va chercher avant qu'il descende. C'est une agrame, ça va quoi? Quand je reste pas loin, il reste focus sur moi. Putain, mais GG. GG à toi. Reste avec lui. Pousse-le doucement. Yes. Merde. Enlève les rails et tu le renommes. Je renomme comment? Je sais pas, Bobby. Tu l'as appelé comment? Tranquille, une agrame, c'est la vie, hein. Je crois que j'ai mis. Tu l'as pas mis là? Avec un saut, comment je dois faire, les gars, en fait? Bah, pourquoi je le vois pas? Ouais, ça marche pas. Attends, t'as appliqué le name tag ou pas? Ouais. Il s'appelle Ah ouais. Mais faut que t'ailles plus proche. Bah, j'ai mis Dinnerbone. Merci les gars. Ça marche pas, non, ça marche pas sur le. C'est de vertu de chez Mangan. Ça marche que sur les chevaux et. Ah, bon, bah voilà. Tant pis, on faut pas s'en approcher. Je sais pas s'il va rester à focus sur moi à jamais ou pas. Salut Pierre, ça va Pierre? Ah! Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est notre pote. Attends, est-ce que. Mec, pour pas qu'il pète, mets ça autour. Il y a combien de blocs, il les gars? Il ne verra plus. Tout le moment, on libère notre pote. Tout le monde, merci, merci. Ouais, le gars, Ika, il a pas eu de gage au final. Ah non, mais il doit être en ASMR ou je sais pas trop quoi. Mais ça, c'est. Principe. Ouais, salut, ouais. Mais t'avais pas un gage aussi Pierre, comment t'as régène? T'as pas des trucs pour régène, s'il te plaît? Ouais, j'en ai. Plus là. Comment on pise? Ah, merci. Ça régène beaucoup, ça? Ah, quand même! Ah ouais! C'est quoi? Fais voir, Pierre! Non. Oh bah ça va, hein. Pierre, tu m'as mis Pierre, j'ai respawn, tu m'as mis un niqueur, mec. Il me faut... Mais je peux... Attends, hein. Maison, désolé. Je peux plus en avoir... Est-ce que t'aurais un... Il me faut juste un œil d'araignée. Un œil d'araignée? Bah j'ai tout jeté. Merde. Et on faut tuer une araignée. T'as tracé moi, j'ai un peu... Ah non, j'en ai deux. Deux d'araignée? Attends, j'arrive. Marcosing. Ah merci, je te fais les popos et j'arrive. Tu serais pas en train de faire des potions de dégâts avec les potions de santé, toi? Non. Je te fais des potions de santé, là. Ce stream il crache pas. Mais je veux dire avec la coke que j'ai. J'ai un truc à te filer, Ika, il faut que tu cours un peu pour que tu sois pas en saturation max. C'est un 3 km que tu as. Ah, enfin! Tiens, regarde. Ça y est, c'est bon, je les ai. Merci beaucoup. Regarde, mange.
Ça donnerait, mec, ça donnerait 100%, gêne. 100%, t'as mis un truc de dégâts. Ça donne régène. Wither, 100%, t'as mis un truc d'enculé. Tu verras, regarde. Mec, il y a écrit Don't Eat That. Non, c'est une suspicious too. J'en ai mangé une avant, comment tu crois que j'ai un régène? Regarde, mais tu veux que j'en mange une devant toi? Tu peux mettre les... Mais tu peux mettre les effets que tu veux. Non. Mais si. Bouffe. Ouais, mec, je vais mettre la vie. Bouffe ce que je te prépare. Mec, je bouffe et c'est toi qui prends le gage, je m'en fous. Si tu meurs en bouffant, c'est moi qui prends le gage, ok? Ok, mais attends. Les gars, comment ça marche? Ouais, pour une fois, t'es pas un salaud. Pierre, tu peux me donner du. J'en étais sûr, enfoiré! Pierre, tu peux me donner? Mais que j'avais, parce que la potion de sang, c'était pour ça que le faire maintenant. Une potion de sang et un truc de blaze pour que je fasse une potion? J'ai pas des trucs de blaze. Comment on fait des potions de sang, les gars? Ouais, on le déplacera après, moi. Une potion de sang, j'en ai là, je viens d'en faire d'huile là, si tu veux. Ah, là, je vais aller chercher la glowstone, justement, là. Putain, ça t'a fait 5 heures de dégâts? Axel, j'ai un gage pour toi. Attendez. J'ai un gage pour toi. C'est vrai qu'on devait pas faire les cons ce soir et qu'on devait avancer sur les achievements. Ah, c'est où ça... T'as vu combien il lui restait de vie ou pas? Casse-toi, j'en ai encore. Attendez. 4 fois dans ça, hein. Ça t'a mis à combien? L'orage. Merci Vince pour les 5 subgifts et on va tuer. Regardez ce que j'envoie dans le call. Je vais le suivre jusqu'au bout du monde. Regardez ce que j'envoie dans la conf. Moi je propose que Lib joue avec ce pack jusqu'à la fin de la. Ouais, faut que tu fasses ton gage avant de. Ah non, non, c'était pas une mort honnête. Tu m'as one shot avec une potion de dégâts. J'avais pas que j'allais te one shot. Si, Axel, regarde, j'ai envoyé un pack. Putain, mon reach. Allez, hop. Celle-là elle est pas honnête, hein. Ah si, elle est grave honnête. Bon bah. Archie honnête. Moi j'ai un gage pour Aipierre. Non. Je demande au chat de voter si elle était honnête. Merci, mec! Non, mais gros, j'en ai dit que c'était pas le chat. Il m'a one shot avec une potion de dégâts quand j'étais FK. Mais oui, mais c'était trop beau! J'étais one shot avec une potion de dégâts. Mais pourquoi tu fais qu'une potion? Fais les 3 par 3, mec! Qu'est-ce que tu prends? Mais parce que je sais pas. Bon, alors c'est quoi mon défi à la con là? Tiens, toi tu dois écouter ça en stream. Faut que tu me le délègues et tu me l'envoies, Guy. Faut que tu me le délègues et tu me l'envoies. Tu peux. Tu... Ah ouais, ça. Non, mais par contre, c'est nul, lui. Mais si, ça va flag. T'es con, t'es sûr quoi? T'es sûr? Bah, ouais. Bah, écoute, Olive, il a écouté l'autre jour en stream, donc. Il flag en stream, tu t'en fous, non? Tu peux pas le mettre en rediff, c'est chiant. Ah, pour la rediff. Mais je la connais. Donc, tu m'envoies le pack, faut pas que tu m'envoies le pack, faut pas te décharger sur ce que tu m'envoies le pack. Mais je la connais. Tu l'as écouté déjà? Mm-hmm. Elle est horrible, hein. C'est... Enfin, elle est pas horrible, mais genre, c'est. Bon. Ah si, elle est horrible. C'est un peu particulier, on va dire. Mais je pense que c'est fait exprès. Disons que ton tune il fait mal au pan. C'est fait exprès. Ouais. Mais tranquille, t'es au chan. Tranquille, hein. Je te fais avoir. T'es plus mon pote, toi. Mais je pensais vraiment pas te faire. Je t'ai fait 5 coeurs avec une popo de dégâts quand même. Mais j'ai mangé en pleine gueule. Mais ouais, mais 5 coeurs. 5 putains de coeurs. Tu imagines que tu mets un demi-coeur. 2 popos de dégâts, tu butes un mec. On en parle ou pas? Faut bien viser. Comment on craft ça, les gars? Attendez 2 secondes. Faut viser. T'as mis le pack libre du coup ou pas? Bah, je viens de te dire, je peux pas le télécharger. Sans armure, ça one shot? Ça n'a rien à voir avec l'armure. L'armure enlève rien. Du coup, c'est quoi mon défi? Mon gage? Pierre, tu mets le pack office, tu veux, Pierre? Le pack office? Non, regarde celui-là. Ouais, le pack office, ouais. Putain, c'est trop beau. Attends, c'est quel pack? Tiens, ça, regarde. Celui-là, là. C'est que j'envoie dans la conf, vous mettez celui-là au pire? Regarde, en vrai, il est chill. Bon, il est en point 8, mais c'est pas grave. C'est juste pour le troll. Tu connais ce pack ou pas? Ah mais si, je connais celui-là. Il est bien, non? Je veux le garder pour un autre moment. Pour un autre moment? Ah mais me le mettez pas à moi, hein. C'est un truc que je vous le file à vous. Ça me retombe dessus cette histoire, je le sens. Non, c'est... Non, non. Ah de fou. Bah merci pour les 25 subgifts. C'est pour ça, c'est pour ça. ça va être marrant. Du coup, un autre gage. Tu l'as enchanté, t'es Ouais. Attends, je ne sers pas à rien, ouais, j'en crafté une. Unbreaking, c'est ouf. Moi, je peux avoir l'Ur 2, donc... Faudrait pas qu'on voit vidéo aussi. Les mecs. Merci mec. Quoi? Je viens de me prendre un éclair sur la gueule. Ouais bah j'en ai un qui est tombé juste à côté moi pour Ah bah moi il est tombé sur moi. Genre sur ma gueule. Putain mais... Ah mais c'est de la glace que tu fous, mais casse-toi avec ta glace. Et qu'en plus pendant l'orage du coup ça despawn pas. Ouais non, casse-toi avec ta glace, on peut plus lâcher. Mais putain. Ton poisson il est cuit mec. Ton poisson il est cuit. Qu'est-ce qu'il y a Lib? Les totems d'invulnérabilité de vie ça se trouve dans les roofs, c'est ça? C'est soit dans les manoirs, soit sur les... pendant les raids. Tu... D'accord, merci. Bah en vrai mec, j'en ai déjà fait plein d'achievements, hein. Ah c'est vrai qu'on pourrait faire... Oh putain mec. Est-ce qu'on peut faire en sorte... Bon les gars, j'ai enlevé cette horreur. Le verre. Où est-ce qu'il y a du verre? Profite de l'orage. Il faut te faire tomber un éclair sur le creeper. Ah quoi? C'est pour un achievement ça? C'est pour le transformer en creeper chargé. Et pourquoi tu veux sa tête? Non, parce que c'est classe. Non, on veut pas péter Bombi. Hein. C'est quoi ça? C'est Husband, ouais. Ah okay.
Oups, merde, je vais avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que t'as fait, gros? J'ai libéré le creeper. T'as libéré le creeper? Oh bah t'inquiète, mec, ils vont avec un stimulateur dans la flotte, genre. Ils vont plus vite que moi en bateau, en fait. Hein. Ils sont où, les chevaliers squelettes? Ils ont despawn? Ils sont dans le marais, quoi. Normalement, ouais, il y en a deux dans le marais. Non, il y en a un dans la flotte. Qu'est-ce que je peux tame comme animal? Qu'est-ce que je pourrais tame? Y'a quoi qui est facile à tame? Allons Fortnite. Kench. Les gars. Ouais, j'ai pas eu de gage, les mecs. La forêt brûle. Ah bon? Tu peux mettre un game rule pour que le feu il se propage pas s'il te plaît? Ouais, si, c'est plus rigolo. Ah oui, mais la forêt brûle là quand même. Oui, parce qu'il y a eu un éclair dessus. C'est pas grave. Attends, ça s'arrête. Il est éteint. De toute façon, quand il n'y aura plus d'arbres, mec, ça sera éteint. Comme l'Amazonie. Hein. Comment on met la main de base en gaucher? Ah mince. T'es un gamin. Voilà, Radim. Non, y a un achievement, c'est pas un chat qu'il faut tam, c'est tous les chats possibles. Ils ont vraiment fait des achievements d'enfants. Skin custom. C'est vraiment des achievements de merde, gros. Le lin est le plus chiant, ça reste comme celui de tous les effets. Hein. Ouais, oh, celui-là il est abusé. Non, les biomes. Mec, il fait du moonwalk là-bas, le squelette. Oh ouais. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Les gars, y'a quel animal qui a pas proposé? Ouais, il fait du moonwalk. Et en plus, il saute. Mais qu'est-ce que. D'ailleurs, et Pierre, quand j'y pense, t'es mort tout à l'heure. Qu'est-ce qui branle? Bah, ouais, allez-y, faites-vous plaisir. C'est quoi la je te raconte l'histoire sur du coup ce que tu voulais dire pour le gage, l'histoire avec ton trophée YouTube? Mon trophée 1 million? En gros, soit je savais pas quand je le recevais, soit j'allais à la. Pour me c'est le faire remettre sur scène au. Ah oui. Comment ça s'appelait cette conférence? Le truc cringe avec tous les gamins dans le public. Ah, hein. ils t'ont forcé à y aller, genre pour. Décuber des pioches. Non, décuber des pioches, c'était super sympa. Video City, Paris Video City. Vous vous souvenez ça? Et ils t'ont dit genre, tu voulais pas y aller, t'ont dit tu viens pour avoir la grande scène et puis t'as tout le public. Bah au moins j'étais sûr de l'avoir quoi, tu vois, parce que sinon c'était la merde. Et donc je suis allé à Video City. Ah la Video City. Et ils m'ont proposé de faire. Enfin j'ai fait ouais, j'y vais juste pour aller récupérer le trophée. Alors, okay. Déjà là-bas j'arrive. Et donc du coup j'en ai un qui m'emmène dans les loges où il y avait tous les youtubeurs. Oh là là là. Et dans les loges, au moment où je suis arrivé, il y avait un youtubeur muscu. Il chante Pokémon ou pas? C'était pas un nom à la Michou, mais... Un nom à la Mi. Pas Jean-Jacques. Jean-Eude, c'est pas ça? Non, c'est Jean-Mou... C'est quoi déjà? Jean-Moule? Non, je sais plus. Jean-Onche, un truc... Jean-Onche, un musclé, je sais pas quoi là. Jean-Onche, avec... Je sais plus qui d'autre, mais c'était pas Thibaut. Putain, moi je connais pas tout ça. Qui se sont tapés dans les loges. Comment, hein? Vraiment? Oui, pour de vrai. Jean Honche et... Mais qui c'est Jean? Ça remonte... Ah, c'était Body Time, non? Ah, Body Time. Ouais, ils se sont tapés dans les loges, c'était rigolo. Pourquoi ils se sont foutus dessus? Ouais, la muscu, ça rave le cerveau. Je t'avoue, je sais pas. J'irai jamais pousser à la salle, moi je vais pousser... Mais tu pousses des blocs. Ça avait fait un mini-drama à l'époque, je crois. Je sais Zombie plus. Doctor. Bref, moi je suis arrivé pile au moment dans les loges, au moment où ils se sont tapés dessus, c'était rigolo. T'es moqué d'eux, j'espère. Et moi j'étais en mode, mais je suis au zoo. Tu sais, je venais de passer à travers tous les groupies... Et qui parlait de n'importe quelle Instagrammeuse, et j'arrive là-dessus, je fais, mais où est-ce que je suis à Vincennes, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, derrière, en fait, c'était avec Body Time, ouais, c'était avec Body Time, c'est ça. Et derrière, ils nous disent, ouais, on va bientôt aller sur scène. On était quoi, une quinzaine de youtubeurs, je pense, à avoir le trophée 1 million. Il y avait qui dedans? En plus, c'était la période avec toutes les youtubeuses beauté, là, non? C'était qu'il y avait avec beaucoup, ça, y avait beaucoup de youtubeuses beauté. Je crois qu'il y avait Natou aussi. Le rire jaune, il y avait Natou. Ah mais ça fait longtemps quand même, oui. Et il y avait un autre mec du gaming. Qui c'était? Il y avait un autre mec du gaming. Ce détail est important. Et au moment où on y va, en fait ils nous disent, ouais, c'est chaud pour accéder jusqu'à la scène. J'ai jamais compris. C'était pas Frichiel, c'était quelqu'un d'autre. J'ai jamais compris, entre les loges et la scène, tu passais au milieu des gens en fait. Il y avait pas un chemin en backstage en fait. Genre, même dans les conventions. Dans les conventions, c'est beaucoup plus tranquille. Non, c'était pas Siphano non plus. Je sais plus qui c'était. Que je connaissais pas plus que ça. Enfin, que je connaissais un petit peu, mais c'était pas Siphano, je crois pas. Le V2, je pense pas. Je me souviens plus qui c'était. Il doit y avoir les VOD de la Video City, c'était en live. C'était pas Wartech. Enfin, bref. Et donc, du coup, non, Furio, ça avait pas un million à l'époque. UTF peut-être, non? Ouais, qui aurait pu avoir non, un fuse? C'était pas NT, NT l'avait pas. Ça remonte, c'était pas JDG. C'est quelle année? Je sais même plus si c'était un mec du gaming ou si c'était. Je me demande si c'était pas Asiatomique. J'ai un doute. Bref. B-Boy? Non, c'était B-Boy, pas B-Boy, parce que B-Boy il serait jamais vu. Bref, mais c'était quasiment que des gars. J'en connaissais très peu
dedans, j'en connaissais très peu dedans. Il y a eu beaucoup de tueurs, j'ai jamais entendu parler. Et donc du coup, au moment où il nous dit on va sur scène, la blague c'est qu'il n'y a pas de backstage à ce moment-là. Et donc on doit y aller. Et ils ont fait amener 15 mecs de la sécu. What the fuck. Mais des mecs de la sécu, mec, c'était des... Quand on te dit ce mec-là bosse dans la sécu, tu fais ok, il y a zéro doute. Des mecs qui font 2m10. Des armoires à glace, quoi. Ouais, comme dans les gens des armoires, mais des mecs monstrueux. Et en fait, ils s'étaient mis tous pour faire un cordon autour de nous, en gros. What the pendant fuck. Que les 15 youtubeurs allaient sur scène. Alors moi, j'aurais dit, les mecs, allez-y avec. Moi, je vais marcher tranquille jusque sur la scène. Et moi, personne m'a cassé les couilles. Tu sais, c'était que des groupies pour les gros. Parce qu'en fait, il y avait Squeezie et tout, non il y avait Squeezie Natou, je crois, non Il y avait Squeezie. Non, Squeezie et. Je crois que. Je sais plus. Natou chez Khalil. Il y avait Natou, mais il y avait surtout celui auquel il gueulait le plus. C'était. The Gary. Non. Godaga. Justement, j'ai un truc à dire. Non, le mec jeune là, qui fait des sketchs. Michou. Non, pas Michou. Avant Michou. Je vois de qui tu parles. Alors. C'est pas celui Van, c'était putain. Le jeune con là, avec une voix insupportable. Tu Van Gwen. C'était pas un panda moqueur. Mad Podcast. Non, je sais qui c'est. Attends, je m'attends à parler. Non, c'était pas Mad Podcast. T'as dit quoi toi? Ça m'a fâché. C'est un mec qui a une voix de nana. Oui, il est. Ah, c'est Hugo Posé. Hugo Posé, voilà. C'était Hugo Posé. Mec, Hugo Posé, le nombre de groupies. Des nanas qui ont les oh mon dieu, merci beaucoup Vince. C'était le zoo, les mecs. Mais je pensais pas à lui. Moi, ce que j'ai trouvé ouf en fait, bon, du coup, après, moi je suis allé tranquille et je sais plus avec qui j'étais. Je crois que j'étais avec Asiat, on allait tranquille. J'ai un doute si c'était lui ou c'était quelqu'un d'autre. On allait tranquillement sur scène, nous en mode derrière le cordon, on allait tranquille, personne ne dérangeait. Bon, il y a l'army sur scène et tout, c'était cool, c'était sympa. Avec les putains de trophées qui pesaient 30 kilos. Et ouais, voilà, mais c'était du genre premier rang. Et comme j'ai toujours dit, j'avais l'impression d'être à un concert de One Direction. Vraiment. Putain. Avec toutes les meufs de manque en live, c'était terrible, hein. Pour tout et n'importe quoi. Et en vrai, c'était ultra dangereux aussi parce que c'était pas grand. C'était le tiers du hall 1 de... Il n'y a pas des gens qui pouvaient se marcher dessus ou quoi? Mais oui, mec. En fait, c'était imagine, tu vois le hall 1 à la PGW, grand hall. En gros, t'as juste une scène et tout le reste du public en fait, avec juste des barrières. C'était un tiers de ce hall, même pas. C'est un quart, un tiers de ce hall. Et en gros, avec un monde, mais tout le monde se marchait dessus quoi. Et t'as un mouvement de foule là-dedans. Il devait y avoir des malaises et tout, hein. Bah, je crois qu'il y a eu des malaises, ouais, des trucs comme ça. Sûr, de toute façon. En plus, il faisait chaud à PGW. Je sais plus s'il faisait chaud. Vous avez pas de la pastèque quelque part? Si, on a des pots en bas. Tiens, tu vas enfiler, s'il te plaît. Je vais faire la blinde de potes. Enfin, bref, moi je suis venu juste pour ça. Après, je me suis barré. J'ai appelé deux potes qui viennent m'aider à porter le trophée. On avait boire une bière. Moi, des potes de ville. C'était cool. Il y a un groupe de pillagers juste à côté de nous. Combien, mec? Quelqu'un a un bâton en fer là, tranquille. Non, mais ça gagne combien une potion? 6 coeurs. Le heal. Non, 4. Okay, non, mais le heal. Ah bon, c'est nouveau ça? Je sais pas si elle existe encore. Ah non, c'est Seeker le heal de Nord. T'inquiète pas, parce que le Donos et Devon. 2 et 4. Bah, c'est bien de Donos et Devon, c'est une bonne cause. Mais c'est quoi qui régène? Ah non, c'est ça, oui. Non, je suis une merde. C'est bien 4 coeurs. Et ce qui régène Seeker, c'est les nouveaux trucs là. Les trucs de la. C'est cheaté as fuck ça. Bon, en tout cas, voilà cette histoire incroyable de. Mais moi, ce que tu racontes avec ces histoires de groupies et tout, ça me rappelle la fois où on était à la PGW. Je crois pas que Axel était avec nous à ce moment-là. C'était il y a 2 ans à la PGW. Il y avait le stand YouTube. Le stand YouTube, non, mais c'était l'enfer. Mec, le truc qui m'a le plus choqué, c'était The Kairi, moi. Et Gotaga à Marseille. C'était l'année où il y avait justement eu le drama, c'était à quoi? C'est avec la cagoule, je crois, à la PGW. Le mec, il ramène des foules, lui, par contre. Et en fait, et moi, j'étais devant le stand YouTube, on était rentré devant parce qu'on nous avait fait rentrer. Et on ressort. T'avais plein de petits qui nous attendaient devant. Et on ressort. Oh. On se fait entourer par facile 10 gosses chacun avec qui je sais plus qui y avait avec moi. Mais on se fait entourer. Et les gens qui étaient là. Oh, il y a The Kairi dedans, il y a The Kairi. The Kairi. Ils sont tous là. Oh, la vie de ma mère, il y a The Kairi. Je te jure. C'était des clichés sur pattes, mec. Je te jure. Mais vraiment. Clichés sur pattes. Clichés sur pattes. T'as jamais vu la vidéo de Gotaga où il était, je crois, que dans les rues de Marseille, il y avait des émeutes et tout. Il y avait les filles qui étaient venues parce que c'était pour jouer à Call of Duty dans un magasin, je crois, de vente d'habits, je sais plus quoi. Moi, je me rappelle d'un vieux truc. C'est une des premières PGW, genre 2013, où il y avait eu les gens qui étaient passés par-dessus le portail en 2013, des trucs comme ça. Genre, ah, quoi, Moïse là? Moïse. C'est sympa de Moïse avec ça. Ah oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire. Attendez. Putain, on se tente, mais je sais pas lesquels j'ai pour Call of Duty, mec, c'était terrible. Il y avait eu des émeutes.
Ah, pendant la queue, là, quand ils seraient tous, ouais. Quand ils sont tous tapés comme des... Il y avait Moïse avec sa béquille, mec, genre. Ouais, vous voulez qu'on fasse quoi, mardi, qu'on aille dans l'End? Ou qu'on essaie, ouais, du moins d'aller dans l'End, plutôt? Ouais, faudrait dire les Underpearl avant d'aller dans l'End. Ouais, faudrait... Maintenant qu'on est stuffé, on essaye de farmer... On fera des popos de heal et on peut essayer de... Ouais. De farmer... On n'a pas trouvé de désert, hein. C'est pas les potions de régène, les plus worse. Ah, mais c'est les gars, c'est sûr. Comment ça? Moi, je fais du heal 2, là, tout va bien. Putain, on a un petit creeper, il est beau. Regardez-le. Ouais, on prépare du heal 2, on a de quoi faire et c'est bon. Vous avez planté des pastèques? Mais vous avez foré Dinnerbone là, non? Ouais, non, là, ça marche pas sur les creepers. Mais c'est juste que t'as pas mis le dé en majuscule. Comment non, on a des fantômes? Ça marche pas sur les creepers quand même. Ah bon? Qui c'est qui a ramené un villageois? Je veux bien un petit pot de heal en vrai, parce que là je suis un. Vas-y, je peux le prendre. Vas-y, je vais te les faire là, les heal là, je suis en train de te les faire. Ah mais putain, là, mais personne n'a ramené un villageois. Non, les gars, on joue pas en live à cette map. Non, on joue pas du tout, on farmera que dalle. Mais il est où le villageois? Mais c'est les lamas, gros. Non. Ah non, c'est les lamas. C'est les lamas, ça. Mais gros, c'est les lamas. Ah non, mais c'est le villageois qui est invisible. Il est là, il est en potion invisible. Il est en potion invisible à chaque fois qu'il spawn. Ah ouais, c'est nouveau ça. Non, ça a toujours été comme ça. Mais il est où? Il est invisible. Pourquoi il y a un villageois là? Mais c'est un villageois invisible, justement. Faut le tuer. J'ai plus de melon à nouveau. Aïe! Les mecs, ils lancent quoi là? Ça fait penser à autre chose ça. Mais putain, ils crachent dessus, l'enfoiré! Ah, ils crachent bien là. Ils sont accrochés à quoi? Mais je les ai pas touchés, pourquoi ils me crachent dessus sur moi? Ah, mais d'accord, ils sont accrochés à. Ils sont accrochés à quoi? Hein? Hein? Ah, mais tu le. Ah, mais d'accord, Y'a un village invisible, gros. D'accord, ok, c'est pas ce que je me disais. On fait deux bonnes cotisations pour le stream, merci beaucoup, Vince. Avec plaisir. D'accord, en vrai, ça va, même si on a fait les cons, on aura fait une maison, une petite base, Et puis on a pris de la pastèque. Ça, en plus, vrai. Tranquille, là, on te dis, la prochaine fois, on fait l'aide, on aura débloqué un ou deux bâtiments en plus, on va retourner dans le nether, chercher des trucs, des ghasts et. Dans l'aide, il y en a pas un achievement. Hein. Déjà, y rentrer, c'est un achievement. Explorer une nouvelle forteresse, c'est un achievement. Oui. Je sais pas si respawn dragon, c'est un achievement. Mais le truc qui va être long aussi, c'est trouver un totem de. Ah, mais il en faut 4. Il faut 4 totems. Ah, oui, parce qu'il faut les utiliser, c'est ça. Mais ouais. Normalement, dans un manoir, on peut en trouver plus d'un. Non, mais dans les raids. Dans les raids, faut en avoir. Ah, oui, dans les raids. Dans les raids, non, y a on quoi fera un manoir, on fera un villageois. Les raids, c'est trop stylé, faudra qu'on arrive à en faire un. En vrai, il vaut mieux aller chercher les élytras et on fera une soirée, ferme à mob. Parce qu'une ferme à mob, on est tout seul sur le serveur, elle marchera très très bien pour faire des feux d'artifice. Tu veux, Vince?